90% des orphelins deviennent plus riches que ceux qui rôdent autour de papa et maman. Ouais, ça c'est vrai. Si Dieu, même sachant que ton père et ta mère seraient un frein même à ton développement, et que Dieu souvent vient écarter un papa ou un maman, en fait, ça te réveille tôt. Mais ça sert à rien de vivre avec deux parents jusqu'à 25 ans. Et après, même tu es pauvre. Fallait être orphelin le plus tôt que possible. Moi, je vous parle. Mon père et ma mère, je les salue. Je vous invite à respecter vos parents. Mais moi, j'ai quitté mes parents à 12 ans. Depuis l'âge de 12 ans, je n'ai plus jamais passé une seule nuit avec mon père et ma mère. Donc, je me suis considéré orphelin depuis 12 ans. Parce que j'ai vu et j'ai senti la pauvreté. La pauvreté dans ton état pur. Moi, j'étais dans ça et j'ai préféré mettre croix sur mes parents quand il s'agit de développement, de réussite. Mais je les respecte parce qu'ils ont été un canal par lequel je suis passé pour venir au monde. À part ça, nous, on n'a plus un débat. Et quand je les ai quittés, aujourd'hui, je m'occupe très bien d'eux. Mon papa ne peut pas mourir pour une affaire de 1 million ou 2 millions. Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne Vivre et Réussir en Afrique. Aujourd'hui, je suis avec l'homme que moi j'appelle personnellement le catalyseur des esprits. Je vous laisse découvrir qui il est, mais je suis avec l'homme qu'on ne présente plus. Coach Simon Udraogo a accepté une interview avec nous. Nous sommes très contents de le recevoir. Coach, merci beaucoup d'avoir permis cet entretien et j'espère que vraiment ceux qui vont suivre vont apprendre beaucoup de choses. Comme je l'ai dit, vous n'êtes plus à présenter, mais quand même je vais vous laisser vous présenter peut-être et dire quelque chose de vous-même. Ok, merci. D'abord, merci à vous, Monsieur Justin, à tous ceux qui suivent cette émission capitale. Moi, c'est Simon Udraogo, coach en développement personnel et option métaphysique. Parce que le développement personnel est si large que personnellement, j'ai préféré me spécialiser ou du moins approfondir mes recherches dans le secteur de la métaphysique. D'accord, merci beaucoup. Et tout à l'heure, on va vous poser beaucoup de questions, Et déjà, vous êtes connu pour avoir une vision très différente du 21e siècle. Vous, le 21e siècle, et vous connaissez différemment de ce que la masse comprend. Donc, quelle est cette vision-là en profondeur du 21e siècle que vous avez? Par exemple, vous dites qu'au 21e siècle, on doit apprendre différemment. Cette vision-là, comment vous la développez et comment vous la percevez le 21e siècle? Ok, merci. Donc, pour pouvoir donner ce que j'ai, la manière dont j'aperçois ce siècle, c'est d'abord des analyses. Il faut suivre généralement l'évolution du monde. Il faut savoir d'où on vient et où est-ce qu'on est en train d'aller. C'est pourquoi Bob Marley a bien dit « If you don't know where you're coming from, you can't know where you are going. » Il faut d'abord savoir d'où tu viens. Donc, si nous allons suivre sur tous les plans, que ce soit dans le domaine du cinéma, il y a eu un moment, personnellement, j'ai aimé le cinéma. On faisait les films avec des cassettes bizarres, vous vous souvenez? Et quand les acteurs rataient, ça perdait beaucoup d'argent même au réalisateur. Il fallait faire assez de répétitions. Aujourd'hui, on fait les prises de vue avec des drones. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de faire les répétitions des années 80-90. Ça, je suis allé en cinéma. Allons-y dans le domaine de l'automobile. Vous prenez les voitures, 90% sont en train d'être des voitures, je dirais, automatiques. Et on est même allé au-delà d'avoir une voiture automatique, c'est-à-dire électronique. On est même en train de faire des voitures hybrides. Et si on repart également dans le domaine de l'aéronautique, on n'a plus les avions conçus à l'époque avec Douglas, c'est-à-dire l'avion pesait tellement que quand ça circule. Mais aujourd'hui, on a des avions si sophistiqués, légers et plus rapides. Et reprenons encore le domaine de la communication. On a eu des téléphones qui faisaient peur. Que quand tu attrapais le téléphone, toi-même, il fallait même prendre un petit déjeuner avant de téléphoner. Aujourd'hui, nous avons des smartphones et tout. Donc, si on va résumer, le monde avance à une vitesse, je dirais, exponentielle. Par contre, et pour pouvoir s'adapter, il faut quand même changer de paradigme, je dirais, spirituel, mental, social et économique.
Mais quand je sens que la jeunesse africaine étant la jeunesse la plus nombreuse du monde a été vraiment piégée, et quand je sens qu'ils ne pourront pas résister ou du moins survivre dans ce 21e siècle s'ils continuent d'apprendre des choses du 20e siècle, c'est ça qui fait souvent mal. Et que je dis aux gens d'arrêter immédiatement, d'apprendre des leçons périmées, d'arrêter de se comporter comme si on est en train d'évoluer, parce que nous sommes en train d'évoluer. Donc voici un peu, je dirais, une de mes missions qui vise à permettre à tout le monde de se cultiver et d'apprendre vraiment, d'avoir des connaissances qui vont les permettre de résister ou du moins de survivre dans ce siècle vraiment si intéressant, à la fois vraiment, je dirais, c'est mitigé, mais lorsqu'on s'y connaît ou si on s'y prend tôt, on va voir que c'est le siècle le plus intéressant. Voilà. Donc. Et pour vous, dites que l'école s'arrête au CM2. Mm-hmm. Apprendre à lire, mm-hmm, à écrire, à conjuguer des verbes, mm-hmm, et le reste, ça se construit. Oui. Ça se construit parce que ce que nous, on n'a pas compris en Afrique, c'est qu'on nous a tendu le plus grand piège de l'humanité. Et ce grand piège, c'est de nous faire croire qu'on est dans des écoles. Mais les gens n'ont pas compris qu'il y a une différence entre une prison et une école. Par exemple, quand tu visites les prisons américaines, le prisonnier même a un certain droit de réclamer des œuvres quand il est en prison. Si la prison n'a pas quand même une bibliothèque qui permet à ce monsieur incarcéré, parce qu'il y a une différence entre quelqu'un qui a été incarcéré et quelqu'un qui a été emprisonné. Parce que quand on parle d'incarcération, c'est ton corps qu'on a arrêté. Mais quand on parle de prison, c'est ta capacité de penser à ton avenir qu'on a arrêté. Donc, ce qui s'est passé en Afrique dans les 10, et je dirais même les demi-siècles passés, c'est qu'il y a eu une construction massive de prisons qu'on appelle écoles. Et quand vous êtes assis là-bas, vous n'avez non seulement pas de documentation, vous répétez ce que vos parents ont répété et qui sont devenus pauvres. On vous apprend pratiquement rien. Parce que si tu veux vérifier, tu vérifies d'abord qui même te parle. Parce que quand tu regardes même généralement l'enseignant même qui est en train de te parler, tu vois que lui-même il se débrouille. Donc, et très mal d'ailleurs. Donc, c'est pourquoi les gens ont confondu des centres où tu n'apprends rien et l'éducation. C'est pourquoi j'ai dit que si vraiment vous êtes en Afrique et que vous avez eu la chance d'avoir ce béaba qui est à savoir bien lire et écrire, vous pouvez construire votre vie. Vous voyez que le mot métaphysique semble être un peu nouveau. Oui, oui. Et en Afrique. Mais comment je l'ai découvert? Par la lecture. On m'a jamais parlé de ça. Le mot blockchain, vous voyez que c'est nouveau encore. Oui. Si vous allez bien fouiller notre système aujourd'hui, vous n'allez même pas voir un champ lexical. Parce que quand on parle de champ lexical, ce sont des mots quand même qui te font penser. Par exemple, quand on parle d'aéroport, mm-hmm, ça te fait penser à l'avion. Quand on parle de pilote, ça te fait penser à l'avion. Mm-hmm. Donc, mais ici, tu vas voir le mot trading, c'est-à-dire le marché boursier, mm-hmm, ça n'apparaît même pas. Dans le système. Dans un vocabulaire. Par exemple, même les mots difficiles qu'on définissait au CM2, 6e, là, parce qu'il y a des devoirs, on te dit. Dans les mots difficiles, il n'y a jamais eu forex, il n'y a jamais eu trading, il n'y a jamais eu, indice, il n'y a jamais eu du pair, euro, USD, il n'y a jamais eu ça. Parce que si avec ne serait-ce que ces petits indices-là, un curieux allait percer le mystère. Aujourd'hui, on parle de Facebook, de Twitter, de Telegram. Vous allez encore repartir dans notre système. Vous n'allez pas voir dans les livres, là, le mot Facebook n'apparaît pas. Le mot Twitter n'apparaît pas. Le mot YouTube n'apparaît même pas dans un devoir. Tu vas composer le devoir jusqu'au bac sans que le mot YouTube n'apparaisse. Alors que les gens se ramassent des milliards, je dirais chaque minute, là-bas. Oui. Donc, vous voyez un peu. Quand je parle de centre de conservation, parce que les jeunesses africaines n'arrivent pas à faire la différence entre ce qu'ils payent et ce qu'ils gagnent. Quelqu'un qui gagne 500 000 francs le mois, souvent tu es tellement, excusez-moi du terme, pas très bien éduqué que tu penses à ce que tu gagnes, mais tu ne penses pas à ce que tu payes. Tu ne vois pas ce que tu payes. J'ai 500 000 francs le mois et puis il est heureux avec un secrétaire à l'appui. Maintenant, si tu vas mesurer ton âge, si à 50 ans ou à 40 ans, en tant qu'Africain, toi, tu as 500 000 le mois, il faut faire
ce qu'on appelle, arrête de regarder les 500 000, regarde un peu ce que tu as perdu. Parce qu'avec cette somme, tu étais l'espoir de tout un village. Parce qu'un Africain qui a le bac, c'est un messie. Il est aussi téméraire qu'un spermatozoïde. Parce que s'il va regarder le nombre de personnes qu'il a laissées derrière lui pour pouvoir aller au bac, parce que derrière le CP1, il y a eu des abandons pour manque de moyens. Jusqu'au CEP, il y a eu encore des camarades qui ont abandonné parce que leurs parents n'avaient pas le moyen. Et au BPC, jusqu'au bac. Normalement, après avoir persévéré jusqu'à ce niveau, tu devais quand même être espoir d'un village. Normalement, ça devait être d'un pays. Vraiment, vraiment. Mais en cas d'échec, si un Africain persévère jusqu'à aller faire 13 ans d'études, au moins un village pouvait compter sur lui. Mais on ne peut pas, c'est inadmissible qu'après tant d'années de persévérance comme des spermatozoïdes qui sentent d'aller féconder les ovules, toi, tu ne peux même pas t'occuper de toi-même. C'est-à-dire ta bouche, là, le seul trou, ça, là, tu ne peux même pas nourrir ça avec un bac, avec un master. Donc, si vous appelez ça éducation, moi, je suis désolé. Moi, j'appelle ça déséducation, détournement d'attention. Maintenant, combien de jeunes sont dans ça? Donc, personnellement, un jeune Africain qui perçoit 1 million par jour, mathématiquement, il a 365 millions l'année. Mm-hmm. Ce monsieur-là, il fait partie des pauvres. Parce que si tu as 360 millions l'année, en 10 ans, ça fait 3 milliards 650. En 100 ans, ça fait 36 milliards. Donnez-moi qui vous parle 36 milliards et je serai incapable de développer mon village. Moi, mon village, là, si vous mettez 36 milliards dans ma main aujourd'hui, si je descends dans mon village, il y aura toujours des gens qui vont mourir de pauvreté là-bas. Parce que si je vais vraiment faire des caniveaux, si je vais construire des hôpitaux, ne serait-ce que deux hôpitaux qui respectent quand même la valeur humaine, si je vais construire des écoles qui respectent la dignité humaine, si je dois construire des routes qui ne seront pas des routes, je dirais, des mouroirs, parce qu'ici, on n'a pas encore assez de routes, c'est des choses qu'on a mis là-bas pour qu'on se coigne. Il ne faut pas confondre ça aussi avec des routes. Si vous mettez 36 milliards dans ma main, je descends, je ne parle pas de ma capitale, je ne parle pas de mon pays qui est le Burkina, je parle de mon village, qu'il faut même taper Google même pour connaître. Hein. Si je descends là-bas avec 36 milliards, je vais laisser encore des pauvres. Donc, mathématiquement, un jeune Africain qui gagne 1 million par jour fait partie des pauvres. Il se dit qu'il lui reste beaucoup à faire. Il lui reste beaucoup à faire. Mais si vous prenez d'abord cette équation, je dirais cette règle de 3. On dit 2x plus 1 égale à 4. Mais bon, si on parle la règle de 3, on dit x égale à 12. Et puis on pose, bon, écoutez, allez-y un peu voir la règle de 3. On essaie de faire le calcul. Par exemple, on dit, par exemple, si le président a faim, on va faire la règle de 3. La population a quoi? Bon. Si un président a faim, ou bien si un chef de famille a faim, on peut déduire maintenant ce qui se passe sur les membres de la famille. Donc, si avec 1 million par jour, tu feras partie des pauvres, avec 500 000 francs maintenant par mois. Avec 500 000 par mois. Toi, tu peux même pas. On peut pas aller à l'école 13 ans pour qu'un jour on se vende parce qu'on nourrit sa femme et ses enfants. Fallait même pas aller à l'école. Parce que si tu étais resté au village cultiver du riz ou même du maïs, tu serais plus utile. Tu serais plus utile. Et c'est pourquoi moi j'ai jugé que rien qu'avec mon BPC, si je n'arrive pas à sauver mon village, je vais décider. D'ailleurs, même, je sais même plus où se trouvent mes papiers il y a longtemps. Si tu me déposes 1 milliard tout de suite. Tu me dis de montrer mon bac et mon BPC. Je vais te donner 3 ans pour les chercher. Parce que je ne sais pas où ça se trouve. J'ai compris par la suite qu'on était en train de se moquer de mon âme. Et de l'âme de toute la jeunesse africaine. Vous avez le taux de scolarisation le moins élevé au monde. Et les quelques-uns qui arrivent à s'en sortir n'arrivent même pas à s'occuper d'un village. Et vous continuez de me dire que vous avez un système éducatif. Parlons de système déséducatif. On va gagner en temps. C'est pourquoi on est dans une urgence, en fait. On nous ment. Parce que quand il y a un doctorat en Afrique, au moins une province, on te confie une province, tu le développes comme si on t'avait dit de résoudre 2x plus 1 égale à 0. Là, tu trouves X rapidement, là. Maintenant, voici des DR et des PR
qui n'arrive même pas à s'autosuffire. Je parle de sa femme et ses enfants. Il n'arrive même pas à aller en vacances avec sa femme et ses enfants. S'il te dit qu'il connaît 10 pays, c'est parce qu'il y a une ONG derrière. C'est parce qu'il y a des missions derrière. Ce n'est pas lui-même qui s'est levé en tant que PR et DR. Dit à sa femme et à ses enfants, bon, on va aller visiter tel pays, on va aller faire 2 jours. Mais attendez, si vous appelez ça la éducation, moi je suis vraiment désolé. I can't admit it. Je ne peux pas l'admettre. C'est bon. Non, coach, moi j'aime vraiment la profondeur de vos pensées. Et comme toujours, vous êtes tellement profond dans vos analyses et ça se voit encore que nous avons beaucoup de choses à faire. Et une chose également que je remarque très souvent dans vos propos, je vous suis de très près, hein, je suis même votre premier fan, je peux dire, je vous suis de très près. Et vous intervenez récemment sur tout ce qui est domaine politique et les concours qu'on organise très souvent, d'ailleurs c'est dans la plupart des pays africains, hein, les concours qu'on organise chaque année et les élections qui se passent tous les 5 ans. Vous, pour vous, en fait, c'est pas nécessaire. C'est ça, d'après ce que j'ai compris. C'est pas nécessairement ce qu'il faut faire. Oui, ce que les gens doivent comprendre, il y a d'abord la tentative. Parce que l'homme a une mission. Maintenant, si tu n'es pas concentré, on va te détourner de ta mission. 90% des orphelins deviennent plus riches que ceux qui rôdent autour de papa et maman. Oui, ça c'est vrai. Si Dieu, même sachant que ton père et ta mère seraient un frein même à ton développement, et que Dieu souvent vient écarter un papa ou un maman, en fait, ça te réveille tôt. Okay. Mais ça sert à rien de vivre avec 2 parents jusqu'à 25 ans. Et après, même tu es pauvre. Fallait être orphelin le plus tôt que possible. Moi, je vous parle. Mon père et ma mère, je les salue. Je vous invite à respecter vos parents. Mais moi, j'ai quitté mes parents à 12 ans. Depuis l'âge de 12 ans, je n'ai plus jamais passé une seule nuit avec mon père et ma mère. Donc, je me suis considéré orphelin depuis 12 ans. Parce que j'ai vu et j'ai senti la pauvreté. C'est-à-dire la pauvreté dans ton état pur. Moi, j'étais dans ça et j'ai préféré mettre croix sur mes parents quand il s'agit de développement, de réussite. Mais je les respecte parce qu'ils ont été un canal par lequel je suis passé pour venir au monde. À part ça, nous, on n'a plus un débat. Et quand je les ai quittés, aujourd'hui, je m'occupe très bien d'eux. Mon papa ne peut pas mourir pour une affaire de 1 million ou 2 millions. Je ne vais pas dire 1 milliard parce qu'on se bat toujours. Ma mère ne peut plus jamais mourir pour une affaire de 1 million et 2 millions. Si je mets la barre ici, c'est parce que je vois des gens qui regardent leurs parents mourir pour une affaire de 15 000 ou 20 000 en Afrique ici. Donc, si je prends cet exemple, c'est pour dire que si en Afrique, vu le fait que les États sont dans l'incapacité totale, je dirais sur le plan idéologique et sur le plan économique, d'absorber tous les jeunes qu'ils ont tenté de former, je ne vais pas dire former, qu'ils ont tenté de former là, si ces États même mettaient des pauses sur les concours, on allait produire assez de génies. Quand moi j'ai compris que mon père et ma mère ne pouvaient rien m'apporter sur le plan économique, je ne les calculais même plus. Et aujourd'hui, c'est moi, je les apporte quelque chose. Mais les États font toujours croire aux jeunes là, qu'eux, ils peuvent les employer, qu'il y a concours. Il faut que l'État soit honnête et dire à tous ces jeunes là, c'est pas vous qui avez échoué, c'est nous, on a échoué. Nous-mêmes, en tant qu'État, on n'arrive même pas à assurer souvent l'intégrité territoriale. On a tous été menés en bateau par des gens qui voulaient vraiment, qui tentaient de nous éduquer. Moi, je n'accuse jamais, depuis que j'ai commencé à enseigner la jeunesse africaine, je n'ai jamais accusé un président ou un ministre, je n'ai jamais cité une malgouvernance, parce que ça ne me regarde pas. La malgouvernance commence dans ta famille. Tu n'as pas de guerre privée et puis tu parles de malgouvernance. Mais ce n'est pas sérieux. C'est quand on finit de payer des guettes qu'on peut dire qu'il y a malgouvernance ici. Donc moi, je ne parle pas de malgouvernance parce que nous avons tous été menés dans un bateau, je dirais, de mensonges. C'est pourquoi, si l'Afrique, les présidents, ou du moins les institutions disaient à la jeunesse là, voici le nombre de jeunes qu'on aura besoin cette année, 1000. Le reste là, débrouillez-vous. Maintenant, si vous avez besoin de conseils, nous on va vous donner en tant que dirigeants. Si vous avez besoin de livres, venez lire ici, parce que nous-mêmes on n'en peut plus.
C'est quand les parents déclarent cette faillite dans les familles que chaque enfant commence à enjamber le mur pour se chercher. Oui. Vous êtes 10 dans la famille, papa envoie 1 kilo de riz. Il a déclaré faillite, oui ou non? Cela veut dire que ça ne va pas suffire. Donc chacun regarde le plat là et puis on regarde le nombre et on commence à se chercher. C'est ce que moi je veux que les États actuels en Afrique déclarent à la jeunesse. C'est vrai, c'est nous on vous a éduqué, mais on nous a dit de vous éduquer. On a fait, mais ça ne marche pas. À l'heure là, c'est du sauve qui peut. Mais si on continue d'organiser des concours comme si vraiment on peut donner espoir à travers ça, c'est pourquoi moi j'ai dit que c'est les concours à mon aime la vie. Ça freine encore même la capacité de penser des jeunes. Si les États disaient qu'on va faire concours chaque 5 ans, comme on fait les élections, mais vous voyez que avant les 5 ans, il y aurait des génies. Il y aurait. Moi, je connais un au Burkina, parce qu'au Burkina Faso, personnellement, et particulièrement, l'État a fixé, on appelle ça le stop-loss. Comme en trading. Il y a les take-profit et les stop-loss. L'État a fixé les stop-loss. Je crois que c'est 35 ou 37 ans, je ne sais, pour pouvoir passer concours. D'ailleurs, je n'ai jamais passé concours. Donc, il y a un monsieur que je connais. Je lui ai dit depuis 2010, quand je faisais la classe de première, lui faisait troisième année à l'université. Je lui ai dit, mon ami, moi, en tant qu'élève de première, j'ai été visiter toutes les universités dans mon pays avant d'avoir le bac. Et j'ai dit, moi, je ne mets pas pied ici. En étant en classe de première, et j'étais en train de me préparer pour le TOEFL pour aller à Harvard. Et j'ai eu mon TOEFL et je n'avais pas assez de dollars pour aller à Harvard, donc je suis resté. Donc, quand les gars, là, quand je leur ai dit ça, il ne m'a pas cru. Il m'a dit, ah, toi là, toi, tu es encore jeune. Il a tapé les concours jusqu'à atteindre le stop-loss. C'est-à-dire l'âge limite pour pouvoir passer concours. Là. Il a touché ça. Ce n'est pas du TP, hein, ce n'est pas take-profit. Il a tapé le stop-loss. Et quand les gars ont vu que le gouvernement ne le veut plus, il est disqualifié. En 2 ans, il a construit 20 tôles pour lui. Il a fait venir sa maman du village. Et il vit bien actuellement. En 2 ans, 1 et 2, quand il a tapé son stop loss là, je ne sais pas où il a eu l'argent là. Mais en tout cas, la motivation était si naturelle qu'en 2 ans, il a conçu 20 tôles. 20 tôles, bon, c'est pas mal. Hein. Et puis, c'est pas en banco, c'est en brique. Sa maman qui était au village, sa maman vit avec lui. Je ne sais pas où il a eu l'argent. Moi, je l'observe à distance. Et j'ai envie d'aller lui dire, je t'avais dit non. Imaginez s'il m'avait écouté en 2010. À l'heure là, ce n'est pas une maison de 20 tôles qu'il va construire. Peut-être qu'il serait en train d'employer ses petits frères. Maintenant, quand tu vas passer concours et que ton âge limite même va être vraiment... Tu vas taper ton stop loss là. C'est dans ça que tu vas voir comment on va faire. Et combien de gens ont tapé concours et puis l'État a dit que ah, vraiment, avec tout le respect qu'on te doit... Vu ton acte de naissance, tu ne peux plus passer concours. C'est à partir de là que le sauve qui peut commence. Mais il fallait commencer ça tôt. C'est ce que moi j'ai fait et ça marche. Donc il y a tout ça là. C'est pourquoi j'ai jugé que ce n'est pas nécessaire. Et en plus de ça aussi, je parlais des élections en Afrique. Quand je n'avais pas 1 franc dans mon compte, quand je n'avais même pas d'entreprise, j'étais pro-démocratie, hein. Je courais, j'ai dit, allez, on veut les changer. Mais aujourd'hui, en tant qu'homme d'affaires, les élections me dérangent. Je trouve que les 5 ans, là, c'est trop proche. C'est nous aussi, on travaille comme des politiciens. C'est-à-dire, on a une entreprise à lancer. Il y a ce qu'on appelle l'espérance de vie de l'entreprise. Il y a ce qu'on appelle la colline. C'est-à-dire, une entreprise, quand tu lances une entreprise, il faut 3 ans minimum et 5 ans maximum pour que l'entreprise commence à avoir des racines, je dirais, solides. Nous, on a tellement lancé d'entreprises qui n'ont même pas encore ces racines que chaque élection nous paralyse. Personnellement, j'ai annulé plus de 4 conférences en Côte d'Ivoire à cause des élections. Au Burkina Faso, ici, il y a des activités qu'on a laissées tomber à cause des élections. Et quand tu veux le faire au Sénégal, en 2019, un peu partout en Afrique, il y a des élections un peu décalées là. Puisque ça ne se passe pas, ça se passe généralement dans les mêmes périodes, mais pas dans les mêmes dates. Le Sénégal a fait pour lui en 2019, oui. Le Burkina en 2020, la Côte d'Ivoire 2020, la Guinée 2020. Bon, tu vois, si tu es entrepreneur, tu sens qu'il faut attendre et puis ceux-là, ils vont dire qui a gagné. Et d'ailleurs, 3 mois avant les élections, c'est un problème. Trois mois après, c'est un problème. Donc, il faut soustraire 6 mois
quand c'est une année électorale, il faut soustraire 6 mois et puis donner ça au vent. Donc c'est pourquoi, en tant qu'homme d'affaires, je me suis dit, mais attendez, est-ce que nous, le même mot, est-ce qu'on ne mérite pas la dictature positive? J'appelle ça dictature positive, je dirais à la marocaine, parce que si tu es au Maroc, si tu vas au Maroc, le Maroc produit plus d'ingénieurs. Bon, je parle d'ingénieurs, je dirais pratiques. Hein. Chaque année, c'est des milliers d'ingénieurs que le Maroc produit. Chaque année, le Maroc a assez de start-up en Afrique. Le Maroc a également assez d'entreprises, vraiment, finance les jeunes. J'ai des étudiants qui sont venus des grandes universités marocaines avec qui je travaille sur le plan de la programmation. Mais le roi, il est assis. Qui veut le fauteuil de ce Mohamed-là? Là, on n'en parle pas. Donc, tout le monde travaille. Mais je me pose, en tout cas, c'est des questions que je me pose. Je me pose, est-ce que nous-mêmes, là, on est arrivés là-bas? On est arrivé. Par exemple, aux États-Unis, c'est ça, 4 ans. Mais et ils ont pris leur indépendance en 1776 et pas sur décret. C'est ping, ping, ping. C'est pas indépendance qu'on a donnée avec main gauche. Parce qu'en 1776, en 1780, il y a eu parler de la guerre de sécession avec l'Angleterre et tout. Ils ont tout occupé. C'est une indépendance dans le vrai sens du terme. Donc, c'est-à-dire, s'ils ont fait ça dans les années 1700, on suppose que dans les années 1900, ils étaient assez puissants. C'est pourquoi même depuis 1945, l'Amérique contrôle en fait le monde. Et là, même s'ils organisent élections chaque mois, ça ne va pas tellement empiéter l'évolution économique de la population. Mais nous là, autosuffisance alimentaire, on n'a même pas encore atteint. Donc, bon, en tout cas, je me dis que c'est dérangeant. Moi, avant, en tout cas, je voulais qu'on change de président chaque année. Mais maintenant là, la présence et l'absence d'un président, vraiment, ça ne dérange pas trop un homme d'affaires qui vraiment multiplie ses flux de revenus. C'est surtout les événements qui viennent encore. Voilà, donc c'est pourquoi bon, nous aussi on veut que les élections, au cas où ils vont faire les élections en Afrique, que ça soit vite, vite. Parce qu'il y a des jeunes qui veulent vraiment télécharger les vraies choses. Okay. Il y a ça. Okay. Voilà, je pense que ça c'est... L'analyse, elle est tellement pertinente et la question quand même reste à se poser, les entrepreneurs, les Africains, voilà, chacun va réfléchir de son côté, voir, parce que moi, personnellement, je réfléchis comme vous, parce que ça retarde beaucoup ces histoires des élections, tout le temps, et quand c'est élection, on ne travaille pas, ça, tout le monde ne travaille pas pendant les élections, et comme vous le dites, c'est 3 mois après, 3 mois avant, en après. En amont et en avant. Voilà, tout ça. Et vous, ce qui est intéressant, c'est que vous formez beaucoup de personnes également ici, dans vos locaux, et... Au travers de ça, vous avez quand même une vision de l'entrepreneuriat en Afrique. Beaucoup de jeunes aujourd'hui, quand nous étions passés devant la maison de l'entreprise, on a vu qu'il y a de plus en plus de jeunes sont en train de se réveiller. Et d'ailleurs, ça a une partie grâce au travail que vous êtes en train d'abattre. Quelle est votre vision de l'entrepreneuriat au Burkina et en Afrique de façon générale? Ok, d'abord, la vision, c'est d'abord de corriger l'entrepreneuriat parce qu'elle a été... très très mal défini pour la jeunesse. Et quand on définit, j'aime toujours dire, Confucius a dit, when words lose their meaning, people lose their freedom. Quand les mots perdent leur définition, les gens perdent leur liberté, les gens perdent vraiment la direction. Le mot entrepreneuriat a été très très mal défini dans nos contrées. Pour 90% des jeunes avant nos cours, ils pensaient qu'un entrepreneur c'est quelqu'un qui postule à des marchés publics. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a son numéro UFU, son registre de commerce, et qui dort tranquillement, et un jour, il attend que un tel ministère a lancé un marché, et il va déposer avec les petits, je dirais, salam alek. Il gagne le marché, et puis on se partage, on surfacture d'ailleurs, et des bics qui se sont vendus à 3000 francs ici, on en a vu. Au Sénégal, il y a des clés USB de 50 000 francs. Vous voyez, ça, c'est pas le boulot d'un entrepreneur. Ça, c'est le boulot d'un preneur. Parce que quand tu dis entrepreneur et un preneur, ça fait deux. Un preneur, il est comme un voleur. Mais un entrepreneur, c'est la créativité. Donc, ce qui fait que quand les gens n'avaient pas les moyens de se payer des matériels de construction, quand les jeunes n'avaient pas les moyens de soudoyer un peu certaines personnes, ils se disent, bon, je n'ai pas encore les moyens pour entreprendre parce que l'entrepreneuriat nécessite des moyens colossaux. Nous, on est venu mettre croix sur ça, c'est faux. Entreprendre, c'est tout simplement dire que tu penses différemment et que tu mènes des activités lucratives qui te permettent
de t'occuper, de t'auto-suffire et ensuite de donner espoir aux autres. Point. Facebook, WhatsApp, Instagram, Telegram. C'est de l'entrepreneuriat. Mais nous, en Afrique, on n'avait pas défini ça. Quand on présentait un entrepreneur, c'est généralement le BTP. Généralement, il a eu un marché de route, un marché de construction. Et puis le gars, il est là, il met ses mains dans sa poche, il contrôle son sentier. On dit, voici l'entrepreneur. Oh my God! Donc, c'est pourquoi ma vision de l'entrepreneur en Afrique, c'est pour dire à tous les jeunes Africains, vous pouvez entreprendre with what you have, where you are. Tu peux entreprendre avec ce que tu as, où tu es. C'est la moindre des choses pour commencer. Donc, il faut faire l'entrepreneuriat, je dirais, spirituel, l'entrepreneuriat économique, l'entrepreneuriat financier, l'entrepreneuriat social, l'entrepreneuriat même conjugal. On peut entreprendre sur tous les plans. Par exemple, quelqu'un qui crée une entreprise, qui conseille les gens dans la vie de couple, un trader, un gars qui fait l'éducation pratique, le sport, on a besoin des gens qui vont entreprendre dans le domaine du sport pour qu'on soit toujours en bonne santé. Il y a également la prévention des maladies. On n'a pas besoin de porter des blouses et puis s'asseoir entre quatre murs et dire qu'on est médecin seulement. Ça, c'est bien, mais il faut aller au-delà, c'est-à-dire la prévention des messages pour dire à la population ne mangez pas ceci, cela. Ça, c'est l'entrepreneuriat sur le plan de la santé. Oui. Donc, les gens, on est en train de donner cette vision à la jeunesse pour les dire qu'on peut entreprendre sur tous les plans. Avec 1000 francs. Personnellement, je n'ai même pas commencé avec 100 francs. Mais j'ai beaucoup bossé avant de commencer. Quand je commençais, j'aime dire aux gens, l'entrepreneuriat, c'est comme un match de football. On commence le match avec 0 but partout. Oui. S'il y avait les buts, il n'y avait pas de match. Mais ceux qui vous mentent là, qu'il faut l'argent pour commencer, mais c'est la meilleure manière de dire aux enfants de pauvres que, ah, s'il vous plaît, restez dans la pauvreté. Les riches vont toujours rester riches. En fait, souvent même, il y a des entrepreneurs riches qui donnent des coups pour que vous deveniez pauvre. Parce que lui-même, son fils là, ne pourra pas gérer son entreprise. C'est-à-dire, son fils a passé le temps à aller en boîte. Et lui, il est grand entrepreneur, mais il voit qu'après sa mort, tout ce qu'il a bâti va disparaître. Si vous appelez ces gens d'entrepreneurs de vous donner des coups, comment entreprendre, qu'est-ce qu'il va vous dire? Ah, que c'est toujours difficile, que ça n'a jamais été facile, que lui, il a souffert. Que ce n'est plus comme avant. Tout ça là, c'est des messages de découragement. Et nous, on s'en fout, s'il a souffert, c'est normal, mais tu es devenu riche, non? Ah, que vraiment, il a eu la chance avec le président, que c'est grâce au ministre. Écoutez, c'est parce que son fils ne pourra pas assurer la relève qu'il dit aux autres pauvres là de dormir. Moi, je vous dis que l'entrepreneuriat, c'est comme un match de football. On rentre avec 0 but partout. Mais la connaissance, là, ça ne peut pas être zéro. Non. Quand il y a un match et qu'il y a un Ronaldo ou un Messi ou un Neymar ou un Mbappé qui joue, ou un Bertrand qui joue, on s'attend à quelque chose. S'il ne marque pas, on va se dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est la même chose qu'un jeune qui a passé son temps à s'éduquer, à lire beaucoup, à suivre des séminaires et des conférences. Quand lui, il commence son entreprise avec 1000 francs, là, si en 2 ans, il n'a pas 1 million, 3 millions, nous les entrepreneurs, nous les métaphysiciens, on doit se poser la question, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pourquoi les jeunes que nous formons là, on ne doute, c'est indubitatif, on ne doute même pas une seconde qu'ils vont devenir vachement riches. Ça, il n'y a même pas de débat. Même s'il est l'enfant de l'homme le plus pauvre du monde, les livres qu'on va le faire lire, les exercices spirituels, les exercices, je dirais, métaphysiques, astrologique, atmique, astral. Quand on va le faire là, nous-mêmes, s'il ne devient pas riche, c'est ça le problème. Moi, quand je commençais, j'avais une confiance aveugle que je marchais à pied dans toute la ville de Ouagadougou et beaucoup de mes camarades disaient que comme il lisait beaucoup, il est devenu fou. Oui, quand on me voyait, je voyais des gens qui me dépassaient avec leur moto, ils ne me prenaient pas. Arrivé devant, il se retourne, il regarde. Parce que pour lui, ah, l'autre dit qu'ils l'ont vu ici. Il y a lui là qui confirme qu'on l'a vu dans tel quartier. Et en une journée, il y a au moins 5 de mes camarades qui vont me voir dans 4 quartiers différents. Donc, ils s'appellent, ils disent que, le gars là, il y a quelque chose qui... Parce que j'étais devenu un piéton, je marchais, je vendais mes marchandises en rien. Parce que je savais que je ne suis pas là pour m'amuser. Donc, c'est la même chose quand nous donnons ces informations, ces formations, ces codes à la jeunesse là.
même s'il est dans un non-loti, même s'il dort sous deux tôles, on n'a pas peur. Il va réussir. Le succès, c'est comme, je dirais, apprendre le vélo. Mmh. Tu sens ton vélo ne fonctionne pas, c'est facile. Va chez le mécanicien. Un mécanicien qui fait 3 heures sur un vélo, qui ne sait pas où se trouve la panne, ce n'est pas un mécanicien, c'est un faux type. Mais un éducateur qui fait 10 ans sur le cerveau d'un jeune de moins de 20 ans, et il ne sait même pas comment démarrer ça. Mais tu dois le fuir. Tu dois le fuir. Mais voici des gens qui vont s'attrouper sur le cerveau d'un jeune pendant 13 ans, c'est-à-dire jusqu'au bac, et ils n'ont même pas détecté la panne. Et celui-là, c'est un mec. Toi, tu payes une voiture de 50 millions, et ça fait 8 mois au garage. Et tu vas demander au garagiste, il dit, ah, on a fouillé, mais on n'a rien vu. Mon ami, cette voiture-là, c'est pour rouler, non? C'est pas pour garer. Mais tu mets un enfant au monde, il fait 13 ans à l'école. Il n'avance pas. Et puis, il ne sait même pas ce qu'il va devenir dans la vie. Et toi, tu appelles ça école. Ok. Il faut continuer d'appeler sa école et vous allez voir, ça va pas marcher. C'est pourquoi l'entrepreneuriat que nous sommes en train de définir en Afrique, là, ça va permettre aux Africains d'assurer un avenir à leurs arrière-petits-fils. Parce qu'un entrepreneur, c'est pas celui qui pense à sa réussite et à la réussite de ses enfants. C'est celui qui pense à la réussite de ses arrière-petits-fils. L'entrepreneuriat qu'on était venu nous enseigner, là, il y avait encore des saveurs ou du moins des parfums coloniaux là-bas. Ouais. Hein, parce que la manière qu'on vous enseigne à l'école, quand on vient vous donner cours d'entrepreneuriat, ils vont se débrouiller pour que vous ayez une mauvaise définition de l'entrepreneuriat. Des informations qui ne sont pas claires. Qui ne sont pas claires. Et une fois que tu sors avec ça, toi aussi tu dis que tu es entrepreneur. Alors que tu n'entreprends pas. Mmh. Moi, je causais avec le PDG de GIT, qui s'appelle Sim Emile Parfait. Mais il m'a dit que son chauffeur a un chauffeur. Que son chauffeur roule avec une Mercedes classique. Et quand son chauffeur vient avec son chauffeur pour le prendre... Mais lui, il est dans l'entrepreneuriat, ça fait 3 ans. Il a commencé en 2017. Et son chauffeur a un chauffeur. Pour voir le niveau. Vous voyez le niveau? C'est ça que moi, quand il m'a dit ça, j'ai dit, bon, écoute, voilà un peu une information qui me fait... Je l'ai serré la main. Il m'a dit, mes employés viennent à l'heure qu'ils veulent. Parce qu'ils savent que je les ai tout montré. Ça, c'est le président, le PDD de GIT qui a fondé l'IEPLEMAL. Mais son chauffeur a un chauffeur. Mais allez-y visiter les anciens entrepreneurs qu'on nous avait présentés depuis 1960. Sa femme même n'a pas un chauffeur. Je ne parle pas de son chauffeur. Ceux qui ont travaillé pendant 20 ans avec lui, là, ils dorment dans des toutis. On n'appelle pas ça entrepreneuriat, on appelle ça prénariat. Il ne faut pas confondre l'entrepreneuriat et le prénariat. L'entrepreneur crée et le preneur se promène pour chercher des marchés. Donc, avec notre génération, nous allons entreprendre. Merci beaucoup. Je vois que, en tout cas, les gens vont beaucoup apprendre de cet entretien. Et merci déjà pour toutes ces informations. Je sais qu'avec vous, on continue. Vous aurez toujours des choses à nous apprendre. Mais pour ceux qui veulent vraiment, ça, je m'adresse maintenant à tous ceux qui sont en Afrique et un peu partout, hein, parce que je vois que vous formez des gens un peu partout dans le monde. Hein. On se limite pas au Burkina. Donc, on va laisser les contacts de votre centre de formation, d'accompagnement, tout ça. On va laisser juste là. Pendant que vous êtes en train de regarder, vous allez voir les informations. Okay. Et il y a les informations. Et puis, il y a ma chaîne YouTube aussi qui défile. Cosimon Ouedraogo. Vous pouvez vous abonner parce que je donne des cours. Il y a un groupe Telegram. Mm-hmm. Et surtout, nous avons un centre de formation qui s'appelle AMRICH, International Wisdom and Richesse System. Okay. Là-bas, en cas d'échec, tu deviens riche. Ouais. Maintenant, quand tu réussis, maintenant, tu aides les gens. Parce que être riche, c'est pas sérieux. Mm-hmm. C'est pas du tout sérieux. C'est le niveau lamentable du succès. C'est le plus bas. C'est le plus bas. Mais il y a des gens qui fixent les take profit là-bas. C'est-à-dire les dernières destinations, mm-hmm. c'est être riche. Excusez-moi du terme, mais c'est pas sérieux. Donc, chez nous, dans notre école, en cas d'échec, tu deviens riche. Et nous-mêmes, quand tu nous appelles, on décroche pas. Maintenant, en cas de succès, tu deviens un homme capable de fabriquer des riches. Donc, ceux qui vont réussir dans notre école, et ils vont fabriquer des riches.
Maintenant, ceux qui vont échouer lamentablement dans notre école, eux, ils vont devenir riches. Minimum riche. Le, c'est l'extrême minimum en cas d'échec. En cas d'échec. Donc, le centre s'appelle International Wisdom and Research System. Et là, vraiment, c'est un an de formation. Un an de formation. Oui, on n'a pas besoin de 2 mois pour enceinter une femme. Non. C'est 5 minutes ou bien 20 secondes, bon, s'il est rapide. Ça, c'est la co-création. Quand on se marie, Dieu même qui a tout mis dans l'enfant, là, allons-y penser à combien de minutes vous avez pris pour faire vos enfants. Pensez à ça. L'enfant que tu aimes plus, là, je pense que si tu es fort, si tu es rapide, si ça peut, c'est une histoire. Bon, je ne vais pas vous donner cours de sexologie ici, mais on est des adultes. Je pense que ça ne prend pas trop de temps. Ce n'est pas 13 mois en tout cas. Non. Maintenant, pour devenir quelqu'un maintenant dans la vie, oh, pop, master 12, doctorat, il y a des gens qui ont 20 doctorats, 3, 4 doctorats, et puis ils sont liés d'abord. Alors que pour avoir un enfant, c'est-à-dire la seule chose qui apporte la joie dans la vie, ce n'est pas diplôme, ce n'est pas maison, ce n'est pas voiture, c'est un enfant que tu aimes, ton enfant, que tu éduques. Faut penser, quand tu voulais avoir ton enfant, là, ça t'a coûté combien de millions et combien de temps? Donc, avec nous, un an, là, c'est exagéré et c'est largement exagéré pour que nous transformions un jeune de 16 ans pour qu'il devienne riche. Là, on le dit et on le répète. We know the how to do. Donc, c'est pourquoi... Et je trouve que quand même, si c'était pour fabriquer des avions, pour lancer des satellites, on peut faire 12 ans d'études, 15 ans. Mais pour avoir 3 repas par jour, ah, les gens là aussi sont forts, hein. Et qui a conçu ces systèmes là même? Attends, si c'était pour lancer des satellites, pour aller à la Lune, pour aller visiter d'autres planètes, en tout cas, moi je peux penser que 12, 15 ans d'études, ça va. Mais si c'est pour avoir 3 repas et puis aller au WC là, non, wallahi billahi, ça là, moi je pense qu'un mois même c'est bon. Mais voilà des gens qui ont fait 20 ans à l'école, 20 ans à l'école. Et ils n'ont pas 3 repas par jour. Et au cas où ils mangent, ils ne boivent pas. Parce qu'il faut manger, il faut boire. Il faut boire. Donc je pense qu'il faut que nous les jeunes Africains, on apprenne comment prendre notre destin en main. Et sauver nos parents et sauver nos gouvernements. Quand un monsieur a 60 ans et puis il est président, tu le critiques pourquoi? Ton papa a 60 ans, non? Et puis il n'arrive pas à assurer. Donc si lui aussi il n'assure pas, en tant que jeune, tu ne dois pas te plaindre. C'est à nous les jeunes de travailler pour que vraiment on puisse laver cette honte, je dirais, continentale. Donc we are on it et nous sommes sur ça. And we're going doing with the help, avec l'aide de nos ancêtres. Avec l'aide de toutes les personnalités vivantes et au-delà. En tout cas, les choses se passent très, très bien. Donc, la page YouTube s'appelle Coach Simon Ouedraogo. La page Facebook, c'est Simon Ouedraogo officiel. Coach Simon Ouedraogo. Coach Simon Ouedraogo officiel. Et Telegram également, c'est ça? Oui. Donc, on va vous mettre toutes ces informations, même au moment où on est en train de parler, là, ça va défiler. Ou bien même, allez-y dans la barre de description, on va mettre toutes les informations. Je vous invite fortement à le suivre de très près. En tout cas, moi, je suis son premier fan. Je le suis de très près. C'est un homme que j'apprends beaucoup, beaucoup de choses auprès de lui. Donc, coach, je vais vous laisser le mot de la fin. Vous allez nous dire à vous, on vous fait l'honneur. Et comme vous nous avez fait l'honneur de nous accueillir ici, on vous laisse le mot de la fin. Ok, donc j'ai appris récemment que vous-même qui me parlez, vous êtes un architecte de haut niveau. J'ai vu vos plans. Je suis très content avec votre collaborateur, des jeunes qui sont des architectes et des gens qui sont à mettre en pratique ce qu'ils ont appris. Donc moi, je tiens d'abord à vous féliciter, à lancer ce message aux jeunes Africains. S'ils peuvent venir apprendre l'architecture avec vous, j'ai vu vos plans, j'ai aimé. Et le message que je lance ici, c'est que vraiment, repensez à ce que je vous ai dit. En tant que jeune Africain, si tu as 1 million par jour, tu banquettes. Donc, à partir du moment où je vous ai lâché ce morceau, si tu vas vraiment être gentil avec 1 million par jour en Afrique, ce qui doit te rester à la fin de la journée, c'est 1 000 francs. Si tu vas être gentil. C'est pourquoi l'heure n'est plus à s'amuser. Il est l'heure pour qu'on passe à l'action.
Mais entreprendre ne veut pas dire arrêter d'apprendre. Dans le mot entreprendre, il y a le mot apprendre. Donc, commencez aujourd'hui et suivez les formations, les séminaires, et vous allez devenir la personne que vous rêvez être. Quitter l'école ne veut pas dire arrêter les études, arrêter d'apprendre. Donc, c'est pourquoi mon dernier message, c'est toujours « Africa is the future ». L'Afrique, c'est le futur, c'est la dernière destination, coûte que coûte et vaille que vaille. Mais cela ne veut pas dire que le développement de l'Afrique se fera avec toi. Le développement de l'Afrique aura lieu avec ou sans toi, avec ou sans moi. Mais mon souhait le plus ardent, c'est que le développement de l'Afrique se passe avec nous et par nous. I love you. Merci beaucoup. Merci beaucoup.